Salut YouTube! On va y aller. Je vais remettre le chat à côté de moi. Baisser un peu la musique. C'est fort là, non? Ça m'a l'air fort. Ça rend pas mal ce musique, mais c'est un peu fort. On va mettre comme ça, c'est peut-être mieux, non? C'est encore Splasher après ou pas? Ah non, là c'est les billes et puis on termine, on a déjà fait Splasher. Ah, mais même là c'est encore fort. On va mettre comme ça, ça va être pas mal. Confirmez-moi que c'est pas mal. Alors, le chat a voté pour la maison du pain, donc la boulangerie, Marble Santori, The Funnel, Pixels Race West, Card Straight, Cosmic Chaos, The Dojo et Olip to Remember. Il y a donc pas la map Battle Royale, on va pouvoir y aller instantanément. C'est parti. Point d'exclamation play pour rejoindre. Ah, j'ai pas mis l'extension. Attendez, je vais activer l'extension. Oh, j'ai pas modifié le titre, j'ai rien fait en fait pendant la pause. Je vais régler tout ça et j'arrive. Pendant ce temps, point d'exclamation play pour rejoindre. Mais non, pas Friends Marble, Marbles on Stream. Partie avec les spectateurs, multijoueur, course. Mettre à jour les infos. Paf. Extension. Mes extensions. Activer. Activer composant 1. Et paf. Ok, très bien. Alors. Vous êtes où? Vous êtes là? Il manque du monde là, non? Ah si, c'est bon, vous êtes tous là. Qui est Local Record? Oui, donc on est sur The House of Pain. Attendez, j'ai pas le contrôle de la caméra. Parfait. C'est PSB qui est Local Record. Et on est déjà 7, hein, DG7 à la première map. Qui s'en sort mieux que les autres? C'est PSB. Alors, c'est quoi déjà la map? Ah oui, ok. Je me souviens vite fait. Je me souviens vite fait de la map. Alors que c'est Socaro qui fait une meilleure hélice et qui s'empare de la première place devant le Local Record, il est le seul à avoir été capable de faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Socaro toujours en tête, mais un petit peu ralenti. Anxest et Shaker qui le dépassent. Le bot arrive maintenant, et puis après, on a encore des concurrents là-bas qui sont en galère. Hein. Mohawk et Ezreyuk, c'est pas dingue. Désolé, hein, mais. Désolé, mais c'est pas dingue. Alors que j'ai pris la tête, hein, j'ai pris une bonne avance. Anxest est deuxième. Anxest est deuxième derrière moi. Le local record ne sera, je pense, pas battu. Ça me semble improbable en tout cas. Alors que le bot vient de se rattraper. Ouais, là Anxest, c'est. J'ai laissé la caméra sur toi, mais. Le dé du bot a été réduit. Oui, ouais, je l'ai réduit à l'instant. J'avoue que j'avais oublié. Mais de toute façon, il compte pas à la fin dans les résultats, donc vous, ça vous change rien. PSB, devant. Alors moi, j'ai terminé. C'est vrai, putain, je suis désolé, je commande pas vraiment. PSB, peut-être doublé par le bot. Je ne pense pas, mais quoique. S'il y a les poteaux qui s'en mêlent... Non, non, non. Le bot finira bien 3ème. Socaro 4ème et on va retrouver Anxest peut-être. Oui, Anxest quand même. En difficulté hein, dans ses hélices. Et puis Mohawk et Ezreyu qui est à la dernière place. Hein, Mais ça, c'était un peu prévu, j'ai envie de dire. Ils ont été derniers tout du long. Il n'y a pas de raison qu'ils se rattrapent comme ça à la fin. Hop là. Mais qui va être devant l'autre? C'est ça la question. Parce que Mohawk, il se prend un poteau. Mais Ezreyuk, il... Ouais, Ezreyuk... Ezreyuk, c'est pas dingue, quoi. Alors, il se reprend un poteau. Encore un. Mais c'est bon, il finit par s'en sortir. Et ce sera donc ça, le classement de cette map. Alors qu'on enchaîne sur Marble Santori. Mais par contre, pourquoi j'ai des pubs, là? Pardon pour les pubs, mais... Attendez, je vais lancer la map, hein. Mais... Mais j'ai quand même installé un bloqueur de pub exprès. Moi qui déteste ça.
c'est pas pour en avoir quand même en fait. C'est chiant. C'est quand même chiant. Oh là, mais vous êtes tant là, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on a? Je m'aime trop 69, bienvenue, bonjour. Pierre Ariel, pareil. Dany, pareil aussi, bienvenue à tous les trois. Bonjour, bonne année. Comment ça va? Nous sommes donc 8. On enchaîne sur Marble Santori. La meuf d'Anxès. Anxès qui est là. Ah bah non. Anxès qui n'est pas là. Étonnamment. Je sais pas si c'est une histoire de... Ou alors je suis aveugle, hein, ça se peut. Hein. Ça se peut que je sois aveugle, mais là je suis quasiment sûr qu'Anxès n'a pas rejoint cette map. Alors que il reste que 5 secondes, donc que c'est mort. Désolé. Nous sommes donc 9. Et qui dit 9 personnes dit qu'il ne faut pas finir dernier. C'est moi-même qui suis local record sur cette map. Oui, j'ai un bon entonnoir. Ça aide. Les bons entonnoirs du début, ça aide quand même pas mal. On va pas se le cacher. Ouais, les débuts, c'est toujours un peu long. On se fait toujours un peu chier au début de ces maps-là avec les entonnoirs. Mais c'est bon, on a les premiers concurrents qui s'en sortent. Le chat a bugué, impossible de join sur PC de mon côté. Hein? Mais ben, si t'es là, PHB. Et désolé à Je m'aime trop qui s'est fait éliminer. T'es là, t'es en tête. De quoi tu te plains? Pierre Ariel aussi éliminé, désolé. Hein. T'as join sur mobile? Et comment ça le chat a bugué sur PC? Attention là, au fait, on est dans les escaliers. Streamlabs, le bot, là, il nous fait des strats. Hein. C'est un peu audacieux. On a Ezruk derrière qui s'en sort bien. Là, c'est confus. C'est confus ce qui se passe, mais on a quand même le bot et Ezruk en tête. C'est au moins ça l'info que je peux vous donner. Il y a eu moult élimination. Moult élimination. Il nous reste finalement que Mohawk, Lani et Socaro. En plus de Ezruk et le bot dont on a déjà parlé. Le local record ne sera pas battu. Bah, ou alors il se passe un truc de fou, mais... Là, ça a l'air d'être mal parti pour quand même. Ezruk toujours en tête, le bot rattrapé. Socaro un peu en difficulté derrière, mais vaut mieux être en difficulté derrière que être éliminé. De toute manière. Très bien. Ezruk qui arrive dans l'ascenseur final, toujours en tête, tout seul, seul en tête. Socaro a réussi à se rattraper. C'est finalement Lani qui prendra la deuxième place. Lani peut-être. Je sais pas si je prononce bien. Mais je fais de mon mieux. Bon, Ezruk premier, ça c'est fait, ça c'est validé. Est-ce que Lani peut se faire rattraper? Ça me semble compliqué, hein. Les trois autres sont toujours bloqués dans l'hélice. Donc c'est validé pour Lani. En 3, est-ce que Mohawk peut se faire rattraper? Mohawk peut encore se faire rattraper par contre. Ah, nickel. Mohawk par contre, lui, il peut se faire rattraper, hein. C'est absolument possible. Ah, attendez. Socaro, qui tombe. L'élimination à cet endroit-là, elle fait quand même pas plaisir. Enfin, une élimination tout court, ça fait pas plaisir, mais à cet endroit-là en particulier, ça fait quand même chier. Et le bot, par contre, bon dernier. Le bot, bon dernier, peut-être rattrapé par la zone. Et ça, ce serait quand même chiant. Enfin, ce serait chiant pour lui, hein, mais nous, on s'en fout, en fait. On s'en fout si le bot, il fait des points ou pas. Mais en vrai... Putain, je suis désolé. En vrai, il reste encore une minute pour finir. Donc il devrait y arriver. Ah! Et c'est raté. Joli saut quand même. 5 points de style pour le bot. Mais là, c'est quand même bien raté. The Funnel. Ah, alors est-ce qu'au jour... Hier, on a vibré. Hein. J'arrête pas de le répéter, mais hier, ça a vraiment été incroyable cette map. On a failli avoir enfin quelqu'un qui bat le local record de Tipeee 2000. Peut-être que c'est pour aujourd'hui. Peut-être que c'est pour l'un d'entre vous. La gloire éternelle de prendre le local record sur cette map. C'est mort pour le LR. Mais non.
faut y croire, il faut y croire. Par contre, il nous manque du monde, là, on est que 6. Ça m'étonnerait qu'on en ait perdu tant en route. Point d'installation, play pour rejoindre, ou alors l'extension. Normalement, sur votre écran, il y a un truc qui s'affiche et apparemment, vous pouvez rejoindre avec. Mais ça, c'est une info de chat, moi je l'ai jamais vu, cette extension-là. Ah merde, le délai du bot, là, il est peut-être un peu trop court. Du coup, il spam. Tant pis. Bon, nous sommes 7. 7, c'est le minimum. 7, c'est le minimum pour que la map soit officielle et que vous gagnez des points dans le jeu. D'après les calculs, il faut être à gauche au départ, un potal. Voyons voir. Donc, ce serait pour Pierre, Eschiker ou Ezryuk, quoi. Voyons voir. Bah, c'est vrai qu'Ezryuk a l'air de... Non, en fait. En fait, non. C'est vrai que Eschiker et Ezryuk s'en sortent mieux. On va voir ces deux concurrents-là, mais là, honnêtement, il y a déjà du retard. Hein. Là, il y a déjà du retard, donc je sais pas s'il faut vraiment avoir encore d'espoir. Ça me semble complexe. On va voir, on va voir. Moi, je dis qu'il faut être ouvert. Il faut... Regardez, Ezryuk, par exemple, il s'en sort bien. Il s'en sort mieux que moi, d'ailleurs. Il me distance. Ah, par contre, il se prend des poteaux, et ça, c'est quand même pas dingue. Sept centièmes. Eh oui, 7 centièmes. Terrible. Ouais, non, là, c'est pas dingue. Hein. Bon, la suite, c'est quoi? La suite, c'est pas mal de monde. Non, non, là, c'est cuit. Hein. Là, c'est bien dégueulasse, hein, ce qui se passe. Ezryuk, s'il vous plaît, la caméra. On a qui? On a du monde, hein. On a du monde, mais personne qui prend le poteau, malheureusement. Tout le monde est là. Nelson. Ah non, il manquait Pierre Ariel, mais qui arrive? Qui est bien présent. Mais il y en a certains qui sont déjà sortis de l'entonnoir. Hein. Comment on descend? Pardon. Pardon pour la caméra, je suis débutant. Piège Vic, il s'est finalement rattrapé. Ezryuk, toujours deuxième. Socaro. Prend la troisième place. Moi, je me suis fait donc lamentablement battre. Enfin, en fait, j'en sais rien. Je peux. Ah oui, je me suis fait vraiment. Je me suis fait avoir dans l'histoire. La musique est forte là, non? Enfin, sur le stream, je l'ai bien baissé, mais là, dans mes oreilles, c'est un peu fort. J'ai l'impression de beugler. Voilà, j'ai baissé comme ça, mais du coup, faut que je la remonte un peu sur le stream. Désolé, hein. Petit réglage en live. C'est pas très grave. Non, mais dans mes oreilles, c'était fort. Mais c'est une pub encore, ça, non? Non, c'est bon. On est reparti sur Pixels Raceway. J'ai pas rejoint. Pas rejoint. Oui, Carriel, PPR. Ce qui compte, c'était finir la... non, en fait, on était combien? On était 7, je crois. Donc si on est 7, il suffit de finir la map. Même 8. Non, on était 8, je crois. C'est le top. Et c'est vrai que là, il y a pas mal de gens qui viennent pour la première fois ici, donc je vais quand même expliquer qu'il y a un système de score customisé. Et c'est le top 8 qui marque des points. Donc tant que vous êtes dans les 8 premiers, c'est bon. Et la finalité de ça, c'est qu'à la fin de la saison, on additionne tous les grands prix, sachant que j'en fais un à la fin de chacun de mes streams, et je distribue des faux bits. En fonction de votre position. Les faux bits, c'est un peu les points de fidélité de la chaîne, quoi. Pour le faire court. Alors, qui est le car record sur cette map? C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Pixel Raceway, c'est tout droit. C'est tout droit, et en fait, il y a des poteaux. Voilà. Oh là là, les vibrations. Qui est en tête? C'est Eschiker, Ezryuk, Socaro,
Ce sont ces trois personnes-là qu'on va suivre. Les mêmes que tout à l'heure, hein, si je dis pas de conneries. Sur la map d'avant, c'était déjà eux qui étaient dans le top 3. Ils vont se rapprocher tranquillement des poteaux. On va pouvoir voir un peu qui s'en sort mieux que les autres. Ah bah c'est pas fameux hein. C'est pas fameux, c'est finalement Socaro et le bot qui s'emparent des deux top positions. Ainsi qu'Ezreyuk, Mohawk, PHB, Shiker, puis les autres, bah désolé mais. Pff, les autres c'est long quoi. Et merci du follow Pierre Ariel. Je suis désolé là, la caméra c'est pas dingue hein. J'essaie de faire des efforts mais. Mais je galère un peu. Oh là là, oh là, putain, c'est Gerboland. Désolé, Pyrael, Pépère, je sais pas, t'es où? Ah oui, Pépère, effectivement. Mais 8ème, c'est bon. 8ème, c'est bon. Alors, est-ce que le bot va choper le local record de PHB? Voyons voir. Non, le bot s'est mieux démerdé sur ses. Enfin, le local record, pardon. C'est mieux démerder sur ses poteaux, donc. Socaro par contre. On va aller quand même aller voir la fin. Non, 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 non. C'est sûr que non. En deuxième, on va retrouver Socaro, peut-être premier. Absolument, Socaro, félicitations, bonne fin de map. Bonne fin de map pour toi qui va terminer deuxième. Mohawk peut-être. Non, Mohawk troisième derrière le bot. Moi je devrais être quatrième sans difficulté. PHB cinquième, toujours dans les poteaux. Dans les poteaux, mais ah, quoique Ezreyuk peut-être qui peut l'inquiéter. Est-ce que Ezreyuk peut l'inquiéter? Non, 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 non. Derrière, c'est Lani en 7ème position. Tranquillement. Et enfin, Pierre Ariel, Pépère. Ah oui, bah oui, alors non. Alors non, Pierre Ariel. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Faut au moins finir sur la map. On a la moitié du Grand Prix, on va faire un petit point score. Regardez, qui est le top 3? Le top 3, ça m'a l'air d'être Ezreyuk à 23, PHB à 22 et Socaro à 21. Donc c'est assez serré là. C'est assez serré, tout le monde a ses chances. Ceux qui sont arrivés un peu en retard, bah forcément vous avez des maps de moins, donc c'est un peu plus délicat, mais. Mais sur le long terme, peut-être que. Il y a moyen qu'il se passe un truc quoi. Allez, on est reparti sur Scared Straight, la map où il faut aller tout droit. Et que si vous allez sur le côté, vous pouvez quand même vous en sortir grâce à grâce au poteau. À cet endroit-là, sur ce petit plan incliné. Les pseudos. Et bonjour et bienvenue à Screenox. Qui nous rejoint. Attendez, là c'est quand même pas dingue ce que je fais. Ok. Et donc là on est 9. Et maintenant qu'on est 9, il faut pas être dernier. Bon par contre là c'est quasiment sûr qu'il y aura au moins un éliminé sur cette map. Donc voilà, vous en faites pas. Il y aura une vague d'élimination, je sens. N'hésitez pas à parier, hein. Moi je parie sur 3 personnes qui finissent la map. J'aurais jamais dû dire ça, ça va être insupportable. Essayez de le faire dans votre tête. Alors qu'on va y aller. C'est Danny qui est local record, qui l'avait chopé juste avant les vacances, je me souviens. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde ce jour-là. Pas mal de nouveaux. Dont Dany, et qui avait pris un local record. Comme quoi, tout est possible. Tout est possible, tout est imaginable. Mohawk en tête, qui prend le saut, mais qui se fait immédiatement expulser. Désolé, Mohawk. C'est finalement. C'est finalement Lani qui prend la tête. Et Shaker deuxième, Ezreyuk qui pire dans le cylindre. Socaro et PHB un peu en difficulté et Screenox qui les rattrape. Voyons voir le début. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le micro-saut. Ok, je passe sur le côté de manière astucieuse. Et alors là, est-ce que je vais aller tout droit ou pas? Oui, moi je suis allé à peu près tout droit, donc ça va. Pierre tout droit. Lani tout droit. Socaro sur le côté. Et pas de poteau. Le bot non plus. Ezreyuk sur le côté, mais poteau, donc c'est bon. Screenox tout droit.
Et il nous reste qui? Il nous reste personne, d'accord. Donc il y a eu de la casse. Alors là, je suis dans la map. Là, j'espère que vous êtes content de ces caméras. N'hésitez pas à sub. Hein. Donc je suis toujours en tête. Mais le local record va être battu là. S'il y a un de ces trois concurrents qui fait pas trop de la merde, genre Pierre Ariel. Attendez. Il y a peut-être un truc qui se passe là. Peut-être qu'un local record de nouveaux viewers va être battu par un nouveau viewer. Ce serait incroyable. Ce serait la map des nouveaux viewers. Et ça m'a l'air d'être le cas. Attention, non! Terrible, terrible la deuxième place. Enfin, la première place, mais battu par le local record. Lani deuxième. En 3, on a Skrinox finalement qui avait mal commencé mais qui s'en sort bien. Et ensuite, eh ben, c'est Shikur et Ezreuk. Oh non, Ezreuk, là, c'est ridicule. Hein. Ezreuk, là, je m'habitue à mieux. Hein. Ezreuk, là. Moi, j'ai cru qu'il allait se faire éliminer. Tu me fais peur là. Hein. Oh là 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 là. Oh c'est. Oh, Ezreuk. Pas comme ça, Ezreuk. Pas après tout ce que tu as fait. Donc déjà 5 maps, hein. Fou là, ça passe vite. Hein. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose, Pierre. C'est joué à pas grand chose. Cosmic Chaos, tiens. T'as même quand c'est des maps random, on refait toujours les mêmes. Cosmic Chaos, c'est qui le local record là-dessus? C'est toujours Time to Shine ou pas? Ou il a été battu depuis? Je me souviens plus. Par contre, non, c'est Alt pour les pseudos. Je crois que c'est toujours Time to Shine, mais à confirmer. À confirmer dès le début de la map. Qui arrivera dans 30 secondes. Vu qu'on arrive sur la fin des billes, j'en profite pour faire un peu le programme de la suite. La suite des streams, ce sera mercredi et jeudi prochain, où on jouera enfin à Full Throttle Remastered, le jeu que GOG offrait avant les vacances. Ça fait un moment qu'on en parle, mais on a toujours pas eu l'occasion de le faire. Donc c'est bon, normalement là c'est enfin fait. Mercredi et jeudi prochain. Et donc la semaine prochaine, enfin le week-end prochain, Quick-end sur Splasher toujours. Il y a un jour où on fera de Speedrun égoïste et l'autre jour on fera comme tout à l'heure du Speedrun standard, mais cette fois-ci avec la vraie route, pas à l'arrache. Et à la fin de chacun des streams, donc mercredi, jeudi, samedi, dimanche, les billes, toujours, encore et toujours les billes. Et donc c'est Mihawk le local record, c'est pas du tout Time to Shine. J'ai dit des conneries. Qui va sortir en tête de l'entonnoir? C'est Skrinox apparemment. Mais c'est vrai que là au début il y a une allée de poteaux et finalement c'est surtout vers la fin qu'on va voir qui est vraiment premier. Mais c'est quand même Skrinox apparemment. Mais un peu moins en avance que tout à l'heure. Hein. Là il y a vraiment 4 personnes. 4 personnes qui prennent la tête. Alors j'arrive plus à. Putain la caméra, mais c'est une catastrophe ce soir. Hein. Mais bon, vous voyez quoi. Oh là là, c'est terrible. On va repartir sur des caméras plus basiques. Comme ça là. Hein. Parce que quand je fais des essais, j'y arrive pas. Le bot en tête. Skrinox, toujours dans les top positions. Et Shaker qui l'a rattrapé. La suite, c'est PHB tout seul en 4. Pas tout seul, non, il va rattraper Skrinox finalement qui a eu des difficultés. Ezreuk aussi, toujours dans les mauvais coups. Puis Pierre-Ariel Pépère derrière. Bah Skrinox, il a pas réussi à. Bah ça, c'était quand même pas banal. Skrinox, il a galéré à prendre le looping, ça m'était jamais arrivé ça. Je me suis fait éliminer pendant qu'on discutait. Ça fait quand même chier, on va pas se mentir. Streamlabs, lui, est toujours en tête, le bot. Concurrencé par qui, finalement? Qui concurrence le bot? Bah, personne, hein. C'est PHB, finalement, qui est deuxième. Skrinox se sera fait rattraper. Local record, pas inquiété. Toujours en tête.
Et Lani qui nous fait la remontada en deuxième place. Ezruk aussi. Mais en fait, c'est surtout PSB qui a galéré. Oui, Pierre, c'est tout rien. Mais t'es pas le seul. Hein. C'est pas la première fois que j'ai quelqu'un qui nous fait du tout rien. On a Varia un peu qui est dans le même genre aussi. Même ça fait un moment qu'il est pas venu, mais. Mais t'es pas tout seul. De toute façon, il y a encore Mohawk derrière toi. Hein. Donc tu n'es pas dernier. Bon, le bot va tranquillement terminer. On va aller voir la fin des autres concurrents. Notamment le cylindre. Il faut faire attention à pas tomber. Ça a l'air d'être validé pour pas mal de monde. C'est Dubi qui va terminer tranquillement. En 3, Lani ou Ezreyuk alors? Ça a l'air d'être Lani, mais attention au poteau. Non, c'est absolument Lani. En 4, Ezreyuk. En 5, Skrinox. En 6, Pierre ou Mohawk finalement. Mohawk qui a l'avantage d'aller plus tout droit. Pierre se prend un poteau. Et c'est Mohawk qui va finalement coiffer au poteau, Pierre. Ah bah là, désolé. Hein. C'est comme ça, hein. Moi je peux rien. Hein. Alors qu'il ne reste que deux maps. L'avant-dernière, ce sera The Dojo. The Dojo qu'on n'a pas fait tant de fois que ça. Et du coup, je sais pas trop qui est local record. Bon, on verra bien quand la map commence. Hein. Écoutez. On n'est pas, pas pressé. Hein. Et salut Killer. Bienvenue sur le stream, comment ça va? Il reste deux maps pour faire tes preuves. Mais il y a des gens qui galèrent, donc tu peux encore les doubler même en deux maps. C'est deux fois premier, tu marques 20 points. C'est encore jouable quoi. Alors qu'on est 10. 10 alors que les 8 premiers marquent des points, donc je vous laisse faire un rapide calcul et vous vous rendrez compte que il ne faut pas être dans les deux dernières places. Vraiment calcul assez simple, assez trivial. Qui est local record? La réponse maintenant. En fait, pas trop. C'est Varia. Bah voilà, on parlait de Varia. Il est local record sur cette map. Paf, paf. Paf, paf. Très bien. Alors, on a finalement Mohawk et PSB qui s'emparent de la tête, mais c'est surtout Mohawk quand même. Surtout Mohawk, même s'il est suivi par PHB, mais c'est surtout lui qui prend l'avantage. Ah oui, c'est affiché à gauche, c'est vrai. Bien vu. Ok, Mohawk en difficulté. Qui s'en sort bien? Qui s'en sort bien dans ces tourniquets là? Et bah c'est Killer apparemment. Ok. Ok. Pour l'instant, on a deux concurrents qui peuvent prétendre au local record. Même s'il est assez solide, hein. Vous regardez en haut à gauche de votre écran. Seulement 14 secondes. Bah tiens, c'est Patient Coise alors le world record. Patient Coise qui m'avait host une fois, incroyable. Ça avait été une sacrée soirée. Hein. Pour une fois qu'on connaît un world record. Mais pourquoi j'ai une putain de pub là? Je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi j'ai des pubs. Mais du coup, pardon, j'étais plus sur le jeu. Ok. Bon, le local record pas battu, hein. C'est ce qui me semblait aussi. C'est ce qui me semblait. Mais on a toujours trois concurrents là en tête. Killer Mohawk et Skrinox. Voyons voir ce qui peut se passer. Et regardez, le local record était passé carrément sur le côté là-bas, il s'était jamais fait toucher. Alors que là, on a du monde qui passe au milieu, et ça, passer au milieu, c'est mauvais signe. Mohawk, peut-être, est-ce qu'il va nous la refaire? Oh, il l'a refait. Oh, il a encore doublé quelqu'un sur le fil. T'as Mohawk, vraiment, il a le don pour shipper les places, là, au dernier moment. Oh, Pierre, quelle belle trajectoire. Oh, Pierre, c'est beau. Oh, c'est tout droit. Magnifique, magistral, Pierre. Dommage que le début de map soit pas dingue, parce que la fin, c'était c'est magique. Et Shaker en 6. Qui leur en 7, alors qui va finir 8ème et prendre le petit point de la 8ème place, ce sera sûrement Socaro. Et du coup, Ezruk et le bot ne marqueront pas de points. Désolé à vous deux, mais faut être meilleur. Ou en tout cas, moins pire. On va aller voir le bot.
avec une vue FPS. Et paf, 2 minutes 50. La souris, par pitié. Très bien. La dernière map de ce soir, c'est A Leap to Remember qu'on a déjà fait un paquet de fois. De toute façon, on commence à avoir fait toutes les maps un paquet de fois. Hein. On commence à avoir fait toutes les maps un paquet de fois. Je pense qu'à la prochaine saison, je rebique un jour sur deux. En février. La saison de février, on jouera un jour sur deux. Genre le jeudi et le dimanche. Plutôt que tous les jours. Les pseudos. On est toujours 10. Pas de nouveau, pas de partie. Pas de nouveau, pas de partie. Pardon. Pour la dernière map de ce soir. On ira peut-être host quelqu'un après. Cosmovoli doit peut-être en train de stream là, non? Ouais, on ira host Cosmovoli après. On vous quitterait pas. De toute façon, il y aura les crédits à la fin, vu qu'il y a eu des nouveaux follow. Ils seront dans les crédits. Vraiment incroyable. Beaucoup de choses qui se passent. Et c'est Taru qui est local record, pardon. Mais il y a encore 25 secondes, donc peut-être qu'il va être battu. Peut-être qu'il va être battu. Il y a peu de local record ce soir encore, si je me trompe pas, donc c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant ou jamais. Voyons voir qui va tenter le saut en premier. On va rester là, hein, de toute façon, pour observer le saut. Et ça m'a l'air d'être Socaro, hein. Socaro m'a l'air d'être plutôt bien parti. Oui, c'est le premier. Et c'est validé. PHB, c'est validé. Pierre, killer. Ah non, PHB, moyen en fait. PHB, killer, ça va être un peu délicat. Et c'est finalement Socaro qu'on va retrouver en tête. Juste devant le bot. Local record qui s'envole, hein. Local record qui semble dur à récupérer là. Après, Socaro prend vraiment aucun poteau. Donc là, c'est vraiment pas dégueu ce qu'il fait. Vraiment pas dégueu. C'était même très très propre. Mais le problème, c'est que le local record est. Ah non, il est juste là en fait. Socaro, peut-être. Peut-être l'exploit. Ah, poteau. Peut-être. Ouais, je crois que c'est fait. Hein. Félicitations, Socaro, t'as sauvé la soirée. T'as sauvé la soirée en prenant le local record sur cette map. Tu mets bien 5 secondes au précédent tenant du titre. Et tu mets une sacrée avance à tes concurrents. Hein. C'est seulement Ezreuk en deuxième place et qui est seulement maintenant dans les poteaux. Et derrière ça galère. Hein. Derrière ça galère sévère, pardon. Putain, j'ai du mal à parler. Et le bot. A plus le bot. Et Killer aussi qui s'est fait éliminer, pardon, j'ai raté l'élimination de Killer. Je vais tranquillement finir deuxième, Ezreuk sur mes talons en troisième place, Lani quatrième. Là maintenant qu'il y a eu trois éliminés, il suffit de finir la map pour marquer des points. Ah, bah Mohawk, désolé, mais ça n'a pas suffi. Et finalement c'est Pierre et Skrinox qui vont se battre pour la cinquième place. Et Pierre a l'air d'être mieux parti. Oui, c'est validé. Et Skrinox qui finira donc sixième. On va passer au résultat. Skrinox donne bien la peine d'arriver. Allez, voilà, c'est bon. Parfait. Et paf. On va aller voir tout de suite les scores. Là, ce classement-là, on le regarde pas, parce que j'ai déjà expliqué, mais on utilise un classement custom. Enfin, système de points customisé, pardon, sur ce stream. Donc on n'utilise pas le système de score du jeu. Donc du coup ce classement-là il est faussé. Donc c'est pas celui-là qu'on regarde. Putain, j'ai plus de voix moi. Enfin je prenne de l'eau hein. Pour le stream, ça pourrait être pas mal. On va aller voir tout de suite le vrai classement. Il s'agit d'Ezreuk qui l'emporte avec 38 points, égalité avec Lani en première place 38. Et en deuxième ça va être, en troisième du coup ça va être Pied de Vie avec 36. Donc du coup bravo à vous trois. Ça nous fera 10 faux bits pour Ezreuk, 10 pour Lani aussi, et 2 pour Pied de Vie.
Sylvie, malgré trois éliminations. Hein. Trois éliminations et tout de même 36 points. Donc bravo. Bravo à toi. On va. Ouais, petite soirée. Ouais, les scores n'ont pas volé très très haut ce soir. On va voir le classement de la saison. C'est Piège et Doha avec 114, le Talon avec 113. Le bot est seulement à 90, et c'est vrai qu'il a rattrapé à 90 aussi. Cosmovoli maintient sa cinquième place avec 76. Et en dessous, bah, c'est tous les gens qui n'ont fait qu'un seul Grand Prix. Et donc forcément c'est un peu plus serré, on voit dans les 30 là, qu'il y a pas mal de. Il y a pas mal d'égalité. Donc voilà. Voilà pour les billes. YouTube. YouTube, merci d'avoir regardé. Mets un commentaire et à plus.